m'appelle Diakaridia Sidibé, j'ai 20 ans et demi, je prépare un bac pro en logistique. L'offre, je l'ai vue sur Pôle emploi. Quand j'ai postulé, c'est parti directement à l'Aftral de Metz. J'ai eu un appel de l'Aftral de Nancy où j'ai eu un entretien avec elle en visioconférence. Et là, elle m'a dit qu'elle serait contactée par une entreprise à Épinal qui s'appelle Noscoscope. Je ne savais même pas, j'avais jamais entendu le nom. 3 jours après, ils m'ont appelé et puis voilà, on m'a proposé un entretien. J'ai pas l'habitude de faire un entretien dans une grosse boîte comme celle-là. Donc, du coup, j'étais un peu stressé, mais ça s'est bien passé. Bien avant l'entretien, j'ai fait des recherches sur l'usine et puis voilà, j'ai pris des informations et puis voilà, ça s'est bien passé. Conditions de travail et puis voilà, étant apprenti, vous avez des offres, tout ça, et des aides de logement, et puis le transport, tout ça, puis j'ai des aides de logement. Voilà, donc je peux dire vraiment, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça fait 1 an et demi. Chef Bertrand, je peux dire vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, je l'admire beaucoup. Il est disponible à mes écoutes. Lorsque j'ai un problème, je vais vers lui. Voilà, et puis je lui pose le problème et puis voilà, il m'aide à faire ses problèmes. À chaque fois, il me demande, il me dit, si tu as un problème, tu viens vers moi. Je suis à la réception, on a des fournisseurs qui viennent nous livrer des marchandises, des colis. Et puis après, voilà, moi je fais le contrôle quantitatif, qualitatif, tout ça. Et puis la réception, la saisie informatique SAP. Puis après la mise en stock, il y a le retrait. Bon, souvent ça change de poste, souvent dans la semaine tu peux te trouver à la réception, il y a des semaines tu peux te trouver au retrait. Que c'est une bonne boîte. Nous les apprentis, vraiment, on a la chance de poursuivre les études. Les conditions sont bien réunies. Voilà. Je suis très content de mon alternance parce que ouais, je suis dans une bonne équipe, une bonne ambiance, tout ça. Je me sens bien. Après le bac, j'envisage de poursuivre mes études en BTS et après le bac en Noscoscope. Ça s'est déjà fait, j'ai déjà dit à mes potes, vraiment je suis dans une belle boîte et puis une bonne boîte. Moi je vous recommande de postuler